Alors le Manta, bah, c'est un géant des mers qui fait 56 mètres de long, qui a une capacité de collecte de 46 mètres de large et qui fait près de 2000 tonnes et qui va pouvoir travailler 250 jours par an pour collecter 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Ça fait à peu près 1 à 3 tonnes de déchets par heure. Donc c'est des chiffres qui commencent à être conséquents. Le Manta de The Sea Cleaner, il est particulier parce qu'on a réussi à trouver un concept pour vraiment aller ramasser, collecter les déchets plastiques en mer à grande envergure, tout en faisant attention à l'énergie qu'il va dépenser. À 400 bateaux de ce type, ça permet de collecter un tiers de la pollution mondiale. C'est pas suffisant, mais c'est en cumulant ces initiatives, ces des petits bateaux, d'autres solutions, qu'on arrivera à éradiquer une partie du problème.